Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la page 7 du grand album. Comme vous avez vu, je m'excuse déjà, il manque les quelques petites minutes du début, mais bon, il n'y avait rien de compliqué, donc je vous explique. Donc là vous voyez, bon, c'est la page de fond comme d'habitude, hein, donc je vous ai bien remis toutes les dimensions au début. Et là, on va couper, donc c'est ça que vous n'aurez pas vu, la coupe de ces deux morceaux, ces deux portes en noir, voilà. Donc pareil, je vous ai noté les dimensions, là, juste tout de suite. Donc on n'oublie pas de faire un double pli, parce que là, il va y avoir un peu d'épaisseur. Et donc, on fait un double pli pour que ça gondole pas. Donc là, on va les mettre en quinconce. Et on va préparer la feuille, enfin nos traits. On va tirer nos traits donc à 1,5 cm du bord, en haut et en bas, et sur les côtés bien sûr, pour pouvoir faire nos fentes comme on fait d'habitude. Désolée, le téléphone n'était pas éteint comme d'habitude. Pour faire nos fentes, pour passer nos portes, voilà. Donc comme là vous voyez, j'ai gardé la bordure du bas, hein, de la feuille, comme je fais d'habitude, puisqu'avec Toga il y a toujours une très jolie bordure dans le bas des feuilles, et moi je les garde. Donc vous préparez vos fentes donc pour en haut à gauche et en bas à droite. Donc là, ça, pour aujourd'hui, ça va être une page très très simple. Hein. J'ai pas voulu trop vous compliquer la vie. Voilà. Donc, c'est une page qui va être très simple, très rapide à faire. Donc, il ne nous restera plus qu'une seule page à faire. Et donc, il y aura encore une vidéo pour la page 8. Donc, pardon. Et il y aura une vidéo pour l'assemblage. Alors, je ne sais pas si je vais faire une vidéo pour l'assemblage et la déco de la couverture, ou si la déco, je vous ferai une vidéo à part avec la déco couverture et intérieur de l'album, je verrai. Suivant le temps que j'aurai mis pour la page 8, pour ne pas vous faire de vidéo trop longue, voilà. Malgré qu'en ce moment, je vous fais des vidéos en moyenne d'une heure. Mais bon, c'est bien quand il n'y a rien à la télé le soir, vous pouvez regarder mes vidéos. Donc on regarde toujours qu'on a bien fait l'emplacement. On va coller à l'arrière avec du double face, hein, comme ça, comme d'habitude. Là c'est vrai que je vous l'ai mis un peu, je voulais passer en rapide, mais bon, c'est toujours la même chose, hein, donc il n'y a pas de difficulté. Voilà, donc là maintenant nous allons couper ce qui va être sous la couverture. Donc ça va être un accordéon pour les deux côtés, pour les deux portes. On va faire un accordéon. Donc pour qu'il n'y ait pas trop de reliure, donc vous verrez, c'est un accordéon avec une seule reliure. On va prendre sur la longueur de la page. Donc pareil, hein, pour les mesures, reportez-vous au début de la vidéo, elles y sont. Et donc là, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué cette fois-ci. Donc là, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc j'utilise toujours mon papier noir, hein, le pollen Clairefontaine en 210 grammes. Donc là, il y avait juste 1 cm en trop, donc je retire. Et donc là, ce que je fais, ben, il va falloir le faire en double. Donc vous verrez, je vais le refaire encore après. Donc votre accordéon, vous le faites un peu plus petit que la porte,
hein, pour pas que ça dépasse, donc ce sera beaucoup plus joli. Voilà, donc là on va faire des plis donc au milieu de chaque morceau, et ce qui nous permettra du coup quand on va réunir les deux morceaux, donc comme je disais tout à l'heure, de n'avoir qu'une seule reliure. Donc pour la reliure il faudra faire vous allez voir de toute façon par la suite, il faudra faire le petit pli comme je fais d'habitude, je suis en train de chercher le mot, la charnière, voilà, la charnière, donc qui fera 2 cm et que l'on pliera au milieu sur 1 cm. Donc on marque bien ses plis, hein, puisque c'est une partie qui va être manipulée assez souvent, enfin, si vous regardez souvent votre album, bien sûr. Donc voilà, voyez. Donc la première partie de cet accordéon, lui, sera collée sur la page de fond. Quand vous mettrez, vous allez fixer l'accordéon, il faut mettre vos deux feuilles dans le même sens pour que l'accordéon s'ouvre bien sûr. Voilà, donc là je vous mets la petite charnière. Donc je vous rappelle, elle fait 2 cm de large. On fait un pli au milieu et on coupe à chaque bout pour faire un angle pour que ce soit plus joli, plus propre. Toujours avec mon double face, donc là je prends du fin parce que celui d'action est trop large pour sur 1 cm, il sera trop large. Sinon vous pouvez mettre de la colle, hein, bien sûr, mais bon, la colle c'est moins pratique et ça risque de salir votre page.
et j'appuie bien sur mes doubles faces pour que ça adhère bien. Donc vous allez mettre votre charnière donc à l'opposé du pli, donc au bout de la feuille. Et donc on va recoller donc la deuxième partie de l'accordéon. Donc toujours pareil, on colle à l'opposé du pli pour que ça puisse s'ouvrir en accordéon, bien sûr, c'est logique. Donc on vérifie toujours hein, qu'on est bien, qu'on ne s'est pas trompé dans les côtes. Et ça vous permet de voir comme ça quelle feuille vous allez mettre le double face pour coller sur la page de fond. Donc il y aura un prochain album, je ne saurais pas vous dire quand encore à peu près, mais là je pense que je vais faire un album en forme A4. Donc, ce qui permettra de faire moins de découpes dans le papier noir, ou ce sera peut-être une autre couleur cette fois, je verrai. Je vais en faire un sur le thème de l'automne. Et après, j'en ferai un sur le thème de Noël, bien sûr. Halloween, je n'en fais pas. Pour Halloween, je fais une pocket letter pour un échange que j'organise sur mon groupe. Alors là, vous n'avez pas vu, parce que je galère à mettre les œillets, je n'ai pas une bonne pince, donc je l'ai fait hors caméra. Donc j'ai mis des œillets pour passer un ruban. Donc là, bon, oui, j'avais pas encore fixé l'accordéon, excusez-moi. Oui, pour pouvoir fermer les pages, je voulais mettre des aimants, et puis bon, j'ai dit ça fera plus joli avec du ruban. Mais bon, si vous voulez mettre des aimants, vous pouvez, hein, ça... Il n'y a aucun souci, bien sûr. Pour les œillets, il va peut-être falloir qu'un jour j'investisse dans... Alors moi, je l'appelle la crocodile. Je sais que c'est pas tout à fait ce nom-là, la pince pour les œillets. Mais bon. Elle est vraiment pas pour rien, j'ai vu.
dans les 30-40 € cette pince, donc c'est pas pour tout de suite. Peut-être on va la demander à Papa Noël. Voilà, on va passer donc le ruban dans les... Sur la page de fond, j'ai fait deux trous, donc avec deux œillets. Là, vous ne le voyez pas tout de suite, mais je remets un œillet après, parce que ça ne faisait pas très propre. On le voyait donc une fois l'accordéon posé. Donc il y a deux œillets, deux trous sur la page de fond et un sur la porte. Voilà, là les œillets ont été remis, les rubans ont été passés et j'ai scotché le ruban au dos de la feuille pour pas que ça bouge. Donc là maintenant je vais fixer l'accordéon, je ne me trompe plus. Vous voyez, hein, cette fois-ci, bon, je n'ai pas fait de piège, rien. C'est vraiment très très simple. Donc vous avez un petit peu moins de 5 mm en haut et en bas, en moins de différence par rapport à la porte. Et ça permet que quand la petite porte est fermée, de ne rien voir dépasser. C'est beaucoup plus joli. Je prépare le deuxième accordéon, hein, pour la deuxième porte. Donc c'est toujours pareil, hein. C'est pour ça que là, bon, je vous le passe en rapide. Donc on marque toujours le point, hein, au milieu pour faire son pli. On fait toujours sa petite charnière. Double face de chaque côté, comme d'habitude. Rien, il n'y a rien de changé.
Donc là, pour cette page, ben, comme vous voyez, enfin non, vous ne voyez pas encore, mais il n'y aura pas d'autres découpes. Voilà, ce sera les deux seuls supports pour les pour mettre les photos. Donc sur cette page, vous pourrez mettre 16 photos. Sauf 16 ou 18. Puisque vous verrez un moment, moi je vais mettre des tags, mais si vous voulez pas mettre de tags, vous pourrez mettre deux photos à la place, mais ça vous le reverrez après. Donc minimum 16 photos pour cet album, donc 8 dans chaque accordéon. Donc là, il va nous rester à décorer les portes. Donc j'ai fait le choix de ne pas mettre de papier à l'intérieur. Mais bon, si vous souhaitez en mettre, vous pouvez, hein, ça, y a pas, y a aucun souci. Une page 10-20 suffit pour décorer les deux portes. Donc là, les dimensions, je ne les ai pas données. Hein. Vous voyez par rapport à votre porte et là où vous avez mis l'œillet. Mais vous laissez toujours une petite bordure autour pour que ce soit plus joli, que le noir ressorte autour de votre papier déco.
voilà, une fois que vos papiers déco sont découpés, ben vous allez mettre le double face, hein, comme d'habitude, bien sûr. Pardon. Malgré la simplicité de la page, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire également. Comme tout l'album. Hein. Je pense que je n'ai pas mis trop de pièges, que c'est un album qui est quand même assez facile à réaliser. Bon, qui sait, peut-être que pour la dernière page, je vous mettrai un petit piège ou deux. Vous voyez, bon, on laisse une petite bordure de chaque côté pour que ce soit plus joli. Ça permet au papier de bien ressortir. Donc là, bon, oui, je regardais pour mettre du papier, mais après, je me suis dit, j'ai pas voulu. Je regarde quand même avec l'uni, mais ça ne me plaît pas, donc je ne le fais pas.
J'aurais dû vous passer cette partie en rapide. Mais j'ai zappé. Désolé. Donc, comme je vous disais, hein, si vous voulez mettre du papier, allez-y. Hein. Bon, l'idéal, c'est peut-être de mettre du papier uni à l'intérieur. Donc voilà, moi je vais d'abord cacher la charnière. Comme je ne mets pas de papier, je vais cacher la charnière donc avec du masking tape. Celui de cabinet de curiosité, bien sûr. J'en mets sur les deux charnières et ça sur les deux accordéons. Donc là, après, moi, je mets un peu masking tape sur les autres pages. Donc, vous allez voir, je vais mettre en horizontal, en vertical, au milieu ou sur le côté. Voilà, je change sur chaque page. Ça permet de faire un petit rappel. Désolé, hein. C'est vrai que sur le papier noir, on voit pas très très bien. Alors là, moi j'ai un petit peu galéré au niveau du pli. J'aurais dû mettre mon masking tape en deux fois au lieu de plier. Ça me gênait un peu plus, vous allez voir, je vais devoir, vous voyez, ça gêne un peu au niveau du pli. Donc je vais retirer pour le détendre un peu et remettre. Donc là, si vous voulez mettre le masking tape comme ça, faites-le plutôt en deux fois. Coupez, arrivez au niveau du pli et reprenez tout de suite après. Thank you.
vous voyez là, bon, par exemple, je mets carrément au milieu en vertical. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Moi, je voulais faire une déco comme ça. Vous égalisez vos rubans, hein. Pas les faire trop courts et pas les faire trop longs non plus, sinon ce serait pas joli. Et là, bon, je l'ai pas fait, mais je vais le faire quand je ferai le montage. Passer un coup de briquet au bout de votre ruban, ça évitera qu'il va s'effilocher. Thank you.
Donc voilà, j'ai remis comme pour l'autre du washi tape un peu partout sur chaque page. Donc je vais repasser le nœud, enfin le ruban pour fermer, bien sûr. Alors là, j'avais mis un washi tape derrière bah, pour chaque porte, et c'est vrai que j'ai pu penser qu'il fallait faire un trou. Donc j'ai refait le trou avec mon ciseau, avec mon scalpel. J'aurais dû mettre mon washi tape un peu plus loin. Mais bon, c'est pas grave. On y arrive toujours. Ou alors mettre le washi tape et mettre le lié après. Voilà, là la page est pour ainsi dire terminée. Alors, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez dans les deux espaces libres au-dessus et en dessous des deux portes. Soit que vous y recollez une photo. Soit vous mettez une déco, ou comme moi, je vais mettre des tags. Voilà. Donc voilà, je vais mettre des tags, je vais les fixer avec un brad, des brads de chez Action, tout simplement. Donc pareil, vous voyez, vraiment rien de compliqué. Et puis là, bon, vous mettez, soit vous laissez sans rien, si vous trouvez que ça vous va comme ça, ou soit vous mettez des décos. Bon là, je les ai mis tout de suite parce que comme ça, bah, les brades seront bien tenus par en dessous avec le double face que je vais mettre pour fixer sur la page noire de fond. Alors, chose que j'ai oublié de vous dire au début, comme vous avez vu, là, ça n'a pas été filmé dans le même sens que d'habitude. J'ai filmé avec, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, avec le nouveau pied que j'ai reçu, que j'avais acheté à AliExpress. Donc j'ai filmé en plongeant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était mieux pour vous ou pas. Si vous préférez. Quand je filme normalement avec mon petit pied aussi comme ça, ça allait très bien pour vous. Donc on n'oublie pas de gommer les traits au crayon hein, que l'on a fait au début. Bon là moi j'avais oublié de gommer avant de coller mes accordéons, mais bon ça va. De toute façon, quand vous faites vos traits, pensez à ne pas mettre, à appuyer trop fort, hein, sinon ça laissera des marques. Ce ne sera pas très joli.
je perce tout simplement hein, mon emplacement de mon bras avec mon scalpel. Et je vais remettre un petit bout de scotch, comme ça je suis sûre que ça tient bien et que ça ne bougera plus. Alors, pendant que vous regardez que je suis en train de mettre les tags, je vais vous faire rigoler parce que là, en faisant ma voix off, là maintenant, donc j'ai fait une coupure pour écouter que tout allait bien, hein, pas recommencer depuis le début. Donc j'avais mon casque sur les oreilles avec mon micro et donc je vous ai fait la voix off depuis le début. Et donc j'ai stoppé la narration, la voix off, pour écouter que tout allait bien. Et d'un seul coup je regarde, je fais tiens, j'ai pas branché mon casque. Donc j'avais le casque sur les oreilles et il n'était pas branché à mon ordinateur. Et je me suis demandé pourquoi ma voix était quand même enregistrée. Et donc je viens de découvrir seulement maintenant que j'avais un micro sur mon ordi et donc que j'avais pas besoin de mettre mon casque pour vous faire la voix off. Donc voilà, j'avais pas l'air bête avec mon casque pas branché. Alors voilà, les tags sont mis avec les brades. Donc maintenant, comme d'habitude, hein, il va nous rester à mettre du double face sur l'arrière de cette page pour la fixer sur la page de la page support noire que vous venez de voir. Et donc là pareil hein, on met du scotch, on en met partout, surtout bien sur les bords pour pas que ça bouge, hein. Et également sur les languettes noires pour que ça tienne bien également. Ça aussi, j'aurais pu vous le passer en rapide, hein, mais bon, j'ai zappé. Donc là, je voulais profiter, tant que vous regardez, remercier encore les copines qui m'ont envoyé du double face dans les différents colis. Ça va me permettre du coup de terminer cet album, parce que là, j'aurais pas pu vraiment finir tant que je n'avais pas du double face. Et là, j'étais arrivée presque au dernier rouleau. Donc je vous remercie encore toutes de m'avoir dépanné. Ça va me permettre d'attaquer le prochain album.
Donc là, j'enlève d'abord les protections du double face, donc sur le milieu, j'enlève pas encore sur les côtés, hein, c'est pas la peine, car on va remettre du double face dans l'autre sens. Mais maintenant, vous commencez à le savoir, hein, comment je procède pour la fixation des pages. Donc, choisissez vraiment plutôt le double face. La colle risque de faire gondoler votre papier. Et ce sera pas très joli. Donc là maintenant on peut tout retirer puisqu'on va coller la page sur la page noire de support. Donc toujours bien centré, hein, votre feuille. Et voilà, on a terminé notre page. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc là voilà, je me suis remise en vision de face pour vous montrer donc les détails de la page avec les petits tags. Voilà ce que ça vous donne, les accordéons. 3. Donc avec la porte, l'intérieur de la porte, c'est ça, on peut faire 8 photos. Eh ben, j'espère que donc cette septième page vous aura plu, hein, que vous n'aurez pas trouvé trop de difficultés si vous êtes en train de le faire en même temps que moi. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, hein, j'y répondrai. Et ben, n'oubliez pas de me faire un petit pouce bleu au passage, voilà, si la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire également. Comme je répète en ce moment sur mes différentes vidéos, au mois de novembre, il y aura peut-être une surprise pour mon anniversaire. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Et là, on va se retrouver donc très rapidement pour la suite de cet album, hein, la page 8. Et également donc pour la finition donc de l'album.
Donc je vous dis à tous à très très bientôt. Je vous fais tous de très gros bisous. Et je vous dis à très vite pour la suite de cet album. Voilà, en espérant que cette page vous a plu, malgré qu'elle était assez simple. À bientôt. Bisous, bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.